depuis super longtemps. Ça me fait plaisir. Bonsoir. C'est qui ce mec? Quoi? C'est un ami. Un ami? Ouais, un ami. Un ami. A-M-I. Un amant, oui. Non, n'importe quoi. Ouais. Allez. On va se manger un truc. Mmh. Oh, la tête. Non, attends, Venezuela, c'est ça, non? Porto Rico. Non, c'est pas ça? Brésil. T'es sûr? Brésil. Brésil. Il est où ton copain? Vous avez vu? Quoi? Le monsieur qui nous regarde. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air bizarre. Il doit être sous. Ça s'est produit la nuit dernière, 23 heures environ. Je courais dans une rue sombre. Fatigué et désorienté, soudain, je tombe à terre. En me relevant, se fout un mouvement lent et inconscient
qui me transporta sur la route la plus proche. Alors, tu te décides à parler ? J'ai compris. On va y passer la nuit. J'ai tout mon temps. J'étais fatigué et désorienté. Soudain, je suis tombé à terre. Je me relève. Et je me rends compte que je me trouve au croisement de deux routes que je ne connaissais pas. Ce fut un mouvement lent et inconscient qui me transporta sur la route la plus proche. En la parcourant, j'entreaperçois une ruelle sur la gauche. Je la prends. Je fais quelques pas et j'en vois une autre, toujours sur ma gauche. Le chemin est étroit. Et sans issue. J'arrive au bout. Deux portes me font face. La numéro 8 et la numéro 7. J'attendis quelques instants avant d'en ouvrir une. J'ai senti que quelque chose m'empêchait d'agir. Prenant mon courage à deux mains, je m'approche de la numéro 7. Et je l'ouvre. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Je me sentais mal à l'aise. J'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être là. Mais cette chose est là, devant moi. Je voulais l'approcher. L'aider, ou qui sait. Tout le monde l'a sauvé. Mais y régnait une telle paix et un tel sentiment d'humanité que j'aurais détruit cette harmonie avec mon geste. J'ai tenté d'observer cette chose. Je n'y parvins pas. Mais j'aurais brisé ce silence. Le silence de cette chose qui était toujours là, devant moi. Cette chose était un homme qui pleurait. Cet homme. Tu parles ? C'était qui ? Thank you.
Imagination, season of my fantasy.